Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est dans l'idée pour garder état avancement, travailler dans la centrale droit, commune Liancourt, département Latibonite, visite sa fête. Ministre PTC a dans deux jours montré insatisfaction à cause d'après ça il fait connait après passage de semaine dernière dans centrale là pas gain gros avancée qui fait demander responsable compagnie Zeco et Ecomat cap faire travail réhabilitation centrale d'air pour aller plus vite. Pas satisfait du tout et président est saute là dernièrement on pensait que au moins on turbine t'a bien installé mais malheureusement pas qu'on gain aucun là dedans qui est installé et yonna. Mais contentement encore, c'est que tout matériel ça est stocké dans un entrepreneur qui doit transporter ici. Mais là, je comprends que c'est du fait que vous n'avez pas payé qui ne veut pas venir ici, qui ne veut pas transporter. Donc avec Michael, nous avons parlé et nous avons obligé de parler tout avec le responsable qui est trouvé en Espagne. Et en Italie. En Italie. Donc c'est une question d'argent et qui ne veut pas transporter ici. Et nous-mêmes n'avons pas de des factures. Nous avons payé toutes les factures, non. Et hier, nous avons réuni à la Banque mondiale, nous avons dit lenteur que les gens de travail sont gagnés, que nous-mêmes avons grand temps, et un an, quatre mois qui était non. Donc, temps ça, il faut nous exploiter chaque jour qui gagne dans temps ça. Et c'est ça que nous avons là. Et nous avons demandé pour le matériel ça transporter ici samedi. Et nous avons garanti samedi, nous avons gardé ici au moins une turbine à installer. Et là, il y a un chronogramme de travail qui a dit qu'il a tout tubinio à installer avec alternateur. Et pour faire, est-ce qu'il y a une possibilité dans le mois de décembre pour les gens de la Tibonite qui a exploité la centrale hydroélectrique, qui est la centrale d'Ouéa. Et notamment, la zone côté Mzotia, hein, c'est rivière la Tibonite qui n'a jamais bénéficié de grandes choses depuis 1804 et qui a bénéficié courant 24 sur 24, ça, président Baye tout côté. Technicien dit, il a fait tout ça possible pour finir le travail avant longtemps. Nous allons donc transmettre toutes les informations, et y compris le planning qui a été donc le nouveau planning qui doit être mis en place. Nous allons transmettre tout ça donc aux clients, à donc la compagnie EDH. Et nous allons faire le maximum pour que tout soit fait en ce sens. Les travaux génie civil là, il y a 80% terminé. Ces travaux électromécaniques là, les travaux électromécaniques, installation. Tubine, alternateur et salle de commande pour finaliser avec travaux. On dit, nous avons une firme italienne, c'est lui qui Zeco, c'est lui qui met le travail là, mais il soutient avec une firme haïtienne qui est le SM. Dans le cadre de travail, ça a réalisé dans la centrale d'Oué, plusieurs communes doivent bénéficier courant. Grâce à 3 MW, la centrale ça a bien pour fournir. Nous attendons faire 3 points pour le finir d'ici le mois de mai-juin. Et ça là, ouais, l'autre jour, nous la donne, ouais, et avant ce moment, c'est dans l'abricot là. Nous avons et puis culé là, a commencé le travail. D'ici jeudi, il a commencé à faire fouille pour faire mise en place. C'est fondation profonde, côté à bin battre pied. Si on prend des 10 tonnes à passer sous l'île, ma peur, moi-même, quand je passe sous l'île, moi, elle tremble. Donc c'est vite pour aller en avant, lui causer des dégâts. C'est une chance qu'ils n'ont pas pris trop mauvais temps qui fait lui pas causer des dégâts. Donc, le président dit, goumé, en on goumé vite pour nous remettre 3 points à eux. Pendant qu'on a fait route Madame Setala, on a fait route Mori Pabola Meadou. Et Abdi Mori Pabola, c'est ça. Kendi qui est responsable du district Semagla, et nous avons là qui représente dans la zone. Cap suivre non seulement le travail pour ça, qui a fait là, qui a fait et monter la pète pour aller déposer lui. Et c'est lui-même qui a suivi tout le travail pour nous. Là, je suis satisfait, plus ou moins pour moi, presque fin de monter. D'ici, on sait maintenant quoi, il a fait de mettre tous les éléments qu'il y a pour le mettre. Qu'on y a assez, je suis fait une réunion là, pour qu'on dise qu'il y a un élément pour faire culéo. Donc, moi, quoi, d'ici avant 15 septembre, on a fait une mise en place pour ça, pour tout le monde qui a passé sur lui normalement. Et c'est TPTC qui est aidé par GMA. GMA, c'est mon spécialiste en pont, au Braïda. Donc, il a payé de nous faire montage et avec une parole. Avec ça, rentrer dans le cadre du programme CNFA qui a pour objectif
augmenter revenu cultivateur ensemble à croissance économique pays à un renforcement gouvernance et puis définir un mécanisme financier qui adapté à secteur agricole là à conseil qui joint si pour pays la Suisse viser accompagner plusieurs jeunes entrepreneurs. Cet accord va permettre de financer plus près de 50 concepts d'affaires de plus. À noter que la banque avait sélectionné 12 concepts d'affaires. Grâce à cet avenant, la coopération suisse rendra disponible des fonds qui permettront non seulement de financer ces jeunes entrepreneurs dans des filières porteuses comme la transformation agricole, l'élevage, l'artisanat et la pêche, mais aussi d'améliorer leurs compétences en éducation financière et de réaliser une étude de capitalisation afin de documenter les résultats et les leçons apprises. Vous comprenez donc que ce programme a un volet d'éducation financière qui est d'une grande importance pour la Banque centrale, qui estime que notre entrepreneur éduqué financièrement lui permettra de prendre de meilleures décisions pouvant réduire les risques financiers pour son entreprise, contribuer ainsi à augmenter la chance de survie de son entreprise, favoriser une inclusion financière tout en douceur, favoriser le transfert de l'informel vers le formel. Ambassade des pays la Suisse là fait qu'on est pays la continuer pour tessi poli la mise en place à COSA, dans l'idée pour soutenir inclusion économique et sociale et puis consolider coopération des pays dans le domaine agriculture. Le programme CNFA se propose de consolider la coopération entre la République d'Haïti et la coopération suisse dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en vue d'améliorer les conditions de vie de la population tout en renforçant la gouvernance et les mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. La contribution de la Suisse à ce programme illustre notre engagement à soutenir les acteurs publics et privés travaillant en synergie pour l'augmentation des revenus, la croissance économique et l'inclusion socio-économique en Haïti. Banque nationale d'Haïti, BRH, engagée pour continuer à supporter et puis contribuer à renforcement secteur agricole. Là. D'après ce qu'il est 113 là, déjà il y a un fonds disponible pour financer le programme ça pendant on dirait 54 mois. Je vais lancer un appel à tout le monde à exam qui occupe l'espace collège là pour quitter tout de suite pour activité l'école et formation capable de commencer. Nous demandons pour responsabilité pour responsable état prend responsabilité yo, et puis agir dans le sens pour la vie capable de retourner dans toute zone là. Action sociale, nous te qu'on fait tant coup alphabétisation, bâti crédit, clinique mobile, construit ou soit réparé caille pour monde dans communauté à camper tout. Situation qui a développé dans zone là, n'est pas favoriser transformation la vie, n'est plus détruit la vie. Je dis à nous là pour nous dénoncer une situation qui est plus grave toujours. Dans le jour qui passe, nous avons confirmation mon examen entré dans l'espace l'école collège Maranatha qui est dans Bolos pour faire des actes qui n'ont pas marché avec la loi. En plus, il a monté descendre dans la propriété à Jean-Lidéo Dio. Espace propriété nous dans Bolos, il est consacré pour service bon Dieu et pour servir mon bon Dieu mettez sous chemin. Nous. Nous servons espace là pour faire formation à zèle bienfaisance. Nous avons conviction en tant que chrétiens, nous devons vivre en paix à tout le monde, mais nous ne pouvons pas tourner complice action qui n'a pas marché avec la loi et qui n'a pas marché avec la parole bon Dieu. Nous crions aujourd'hui parce que nous victimes incident après incident qui est inquiétant en pile. Nous connaissons très bien les responsables de l'État au courant de tout ce qui a passé. Nous avons pris contact avec l'autorité de la police concernant la violation de l'espace. Et nous demandons au cabinet Février qui est en tête de mettre au Sénat Février, qui représente la mission pour déposer une plainte formelle contre tout le monde qui est entré dans l'espace comme pour cette mission avec infraction et demander concours force publique pour sécuriser la propriété. Haïti, nous ne faisons pas.
grand pile monde qui dit vinn gen violence plus sur femme. Vous comprenez qu'on dit ça? C'est parce que longtemps c'était géwe bouchepé. Mais des temps avec mouvement ça, c'est géwe bouche parler. Avait dit que moun yo vinn dit ça, moun yo commencé motiver pour yo porter plainte. Moun yo parler avec l'autre monde qui assiste yo gen par exemple organisation femme qui font travail extraordinaire dans la société. Organisation femme qui situe yo dans question gestion intégrée de violence qu'a fait sous femme. Yo gen centre d'hébergement côté yo mette mesdames yo, yo ba yo psychologue parce que moun ka fou dans question violence, moun ka perdu tête. D'accord? Si on fait violence on fille yo violent ti moun, il pa ka gérer ça le bagaille quand tu es tête. Et li ka vinn perdu tête li tout, tête li parti. Gen psychologue dans organisation avec organisation femme yo qui c'est bon partenaire nous premier partenaire ministère parce que même c'est de la société civile qui font travail en permanence dans société a, si c'est pas yo nous pas connait côté ça ta privé nous pour le commémorer 25 novembre qui c'est journée internationale qui fait sous femme yo on amène demain matin mais ça avec trois organisations femmes qui soutiennent trois gros organisations femmes qui travaillent dans question traite monde traite des personnes et traite dans la question de violence qu'a fait sous femme. Parce que plein de causes qui passent dans la frontière là, si mon petit que mon apprend, aller à l'porter Saint-Domingue pour prostitution. En pile bagarre fait dans le club tout boy site. D'accord? Donc si nous pas parler, si nous pas dénoncer pour mon qui, pour que la justice prenne responsabilité, pour qu'aucun bon monde, quelqu'un monde ça va la guerre. Là nous avons une journée d'élimination contre la violence sous femme. Qui ça démarche là au niveau ministère pour nous pas éradiquer totalement, mais pour que nous empêcher la question de violence ça et nous systématiser ou bien continuer à faire de la fête là. Non, et message là pour lancer. Non, le message fort. Pour nous dire pinga. Pas avancer. Et moi-même, à profiter de studio nous matin, de micro que nous avons parlé, pour demander conseil des ministres. Parce que il est possible, le conseil des ministres de malgré le pape là, pour que vous passez, vous inscrit loi que me déposez, projet que me déposez sous violence, sous femme, dans 10 jours de mer. Loi, ça peut renforcer. Mesures, sanctions contre les gens qui ont fait violence sous forme active dans le pays. En substance, qu'est-ce que ce document est là-dedans? C'est vraiment un document qui gagne prévention, sanctions et élimination de toutes les formes de violence sous forme. Et je lance un message. Moi-même, pendant là, comme ministre, qui a cherché à organiser affaires juridiques ministères, les gars, 6 criminels, côté avoir condamné criminel, en nous pas question à Evelyne Sincère là, puisque le kidnappé, le battre, le tout fait, le tuer, le mettre sous pile fatras à ses perpétuités. Pour demoiselle Lou qui était au travail, et oui, tout oui. Ça. Oui, ça y est, c'est perpétuité. Donc, juge capable qu'on ait pour bailler mon 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, n'a pas campé pour faire révision. On a campé là pour dire non. Il faut que la loi applique et respecte dans le pays. Impunité, c'est pour finir. Quel que soit le monde qui fait violence aux femmes, c'est pour finir. Ce gouvernement fait appel à l'ordonnance. C'est décision du gouvernement? Oui. Commissaire du gouvernement, il faut faire appel à l'ordonnance juge. Ne pas satisfait? Pas du tout. Surtout, moi-même, c'est en train de me détendre. Il y a un monsieur qui est dans le journal de Guadeloupe, pourquoi? Qui te dit ça et puis moi t'ai réagi. Et c'est moi qui t'ai demandé pour mettre pour moi-même moi t'ai réuni avec le ministre justice à l'époque, c'est pas le ministre qui l'a renié là, c'est le ministre de Lille, mal jeune ministre de Lille dans le bureau, avec le ministre pour qui était là, mal jeune dans le bureau li, pour nous, pour me parler, pour dire que faut que mette action publique en mouvement. Mettez action publique en mouvement, pas veut dire que nous sommes coupables pour ça. Et me faire ressortir ça. Quand il y a là, le commissaire gouvernement finit et finit fait travail, il voyait le dossier dans l'instruction, dans le cabinet d'instruction. Je suis sur un pour devoir pour faire instruction. Instruction, c'est enquête. Faut enquête.
Et pas chita là, quand vous me dites que vous ne pouvez pas vous faire une enquête, faut sortir, faut déplacer. Et la loi même a accordé à juge d'instruction, il y a une commission obligatoire à l'autre juge pour faire attendre l'autre monde pour lui. L'autre instance fait attendre pour lui. D'accord? Et c'est pour ça qu'il fait juge, il y a un visa, il y a un ceci, il y a un cela. C'est haïtien qui l'autre doit pour un visa pour attendre mon monde. Il faut attendre le tout. D'ailleurs, monsieur a dit qu'il mettait la disposition la justice haïtienne pour attendre. Gagner mon organisation femme. Que tu as pas tendé dans cause, juste après je me relais yon nan yon pour tendé yon. Tu es disponible pour ça? Oui. Et me tendé yon dit matin que tu es disponible pour ça, yon pas tendé yon. Yon pas j'aime relais yon vin nan yon. Et puis carrément, il dit que li bay yon. Mais, seul ça qui gagne yon recours dans la justice ça. Et c'est commissaire gouvernement qui pour faire appel à décision. Et que matin, moi tendé que yon fait li. Moi pas bravo pour yon. Parce que m'a déjà dit ça faut faire. Donc juste à prendre décision, donc après le casser en appel. Avait dit que ce n'est pas encore fini. Là, c'est toujours un projet de USAID de l'international qui offre à l'État haïtien. C'est dans la juridiction la ville Saint-Marc, responsable du premier métier système JKJLA dans l'année 2013. JKJLA, c'est un outil dans le cadre qui a mené contre détention préventive prolongée. Pour le Saint-Marc, là, Noé Pierre-Louis Massillon, JKJLA est en pile. L'aide au travail plus bien et puis mettre plus contrôle dans la juridiction lien. Dans le temps, c'est un système archaïque. Il a fallu tout écrire dans les registres, etc. Mais à partir de ce système, ça permet d'avoir un contrôle systématique en étant record de tous les dossiers qui circulent au niveau du tribunal. Et aussi, ça permet aussi d'éviter certains retards au niveau des dossiers du tribunal, puisque dans le temps, les dossiers, je dirais, passaient beaucoup de temps au niveau des cabinets d'instruction. Mais à partir de ce système, donc, les chefs des juridictions ont la latitude, cette habilité d'avoir le contrôle en temps record, surtout des dossiers du tribunal. Et aussi, ça va être de formatiser et de moderniser le système judiciaire haïtien. Actuellement, il y a des circulaires que le CSPJ et le ministère de la Justice fait sortir, qui ont demandé aux chefs des juridictions pour assurer au quotidien qu'ils ont utilisé JKJ. Opérateur saisi, c'est le monde qui transmet dossier qui n'a qu'à eux sur le système JKJ. Ils ont entré données pour doyen à commissaire gouvernement. Opérateur saisi, pas prend le temps pour enregistrer données. Système, ça va permettre de faire travailler plus bien. Ils changent l'ambiance de travail moins. Parce que si je fais un travail, je ne perds pas du temps là-dedans. Je ne perds du temps si je fais un bagage, je suis rapide depuis monter et m'ouvrir JKJ là. Et puis je fais ça, je suis chercher, je suis rapide. C'est un système qui est très sécurisé. Par exemple, comme moi, je dis, n'importe qui n'a pas accès avec ce système là. Pour les gens capable d'avoir accès, premier bagage, même gens qui ont un compte email, c'est même gens tout système là, tout, mon enregistré. Par exemple, n'importe moun ki monte sou système là soit que on bagay ki ta essayer soit effacer ou bien trace que moun ki efface là. C'est là son système qui très sécurisé et tout technicien en réseau. C'est dans 11 juridictions système ça implanté. Responsable ou travail pour mettre li dans l'autre juridiction yo. Moun ki utilise système dans notre tribunal yo, c'est doyen, commissaire ak opérateur k'ap enregistre donné yo. Commune Delma et spécialement Delma 48, c'est la bureau secrétaire d'état population en trouver le quoi là. Local tout neuf ça, pral et des bureaux ça, accompli mission selon directeur population. Cette structure qui coiffe la DPDH, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, est d'autant plus importante qu'elle doit avoir la compétence lui permettant d'orienter la primature, ceci à travers le ministère, dans le domaine de décision, dans le domaine de décision politique, notamment faire des choix définitifs, des politiques nationales, des normes de gestion et l'attribution globale des ressources en ce qui concerne la population. Secrétaire d'État population a expliqué ensemble des difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre de travail. Nous avons un lot de responsabilités pour nous travailler, proposer une véritable politique nationale des populations. Mais nous sommes d'accord avec que un paquet de problèmes qui causent que, en pile fois que nous voulons faire ça, mais il n'est pas souvent facile. Le premier problème qu'on était capable de souligner, c'est la question du recensement général. Le ministre de la Santé publique et la population a attiré l'attention personnelle du bureau secrétaire d'État population sur la nécessité pour répondre à la mission. Avec ce nouveau bâtiment, l'environnement professionnel
devient plus stimulant et le milieu de travail plus agréable. Vous vous sentez, je n'en doute pas plus, et respecté et valorisé. J'attends sans aucun doute les retombées positives de ce changement, soit une meilleure motivation et une amélioration de la performance du secrétaire d'État à la population et de son équipe. Je vous invite à vous inscrire dans une quête continue d'amélioration du climat de travail, respect mutuel, convivialité, valorisation de chaque employé, recherche inlassable de la qualité, esprit d'équipe. Pour clôturer cérémonie inauguration ça, il y a une visite guidée organisée dans l'espace là. Dernier bulletin, hein? Bail que nous gagnons 18 cas positifs. Ce qui ont très mauvaise nouvelle. Je ne vais pas dire comme ça. Je vais dire comme ça. Pour nous passer de 3 à 5 cas, de 5 à 7 cas, et pour nous passer à 18 cas positifs. Ça qui mettait nous à un peu plus que 9235 cas, 40 cas, autour de 9340 cas. Je ne vais pas un chiffre là. Exactement dans tête non, mais moins que 9400 cas qui en pile. Donc, m'a lancé un appel à la population parce que n'a réalisé que ces derniers mois, un relâchement dans le respect des mesures barrières. Qui s'annourait les mesures barrières, nous toujours à dire, unité de communication, ministère de santé publique, toujours à rappeler ça lié, c'est laver mais non, camper distance là, nous pas. Non pas du tout, nous pas respecter distanciation sociale. OK? Laver mes noms, mettre masque nous, respecter distanciation sociale, pas manger yeux nous, pas manger bouche nous, pas manger nez nous. OK? Si on m'a toussé que le toussé dans coude même comme ça, OK? N'a rappeler toutes mesures ça yo, nous capable réaliser que les n'a marcher dans la rue, hein? Nous capable m'a poser dit 95% de monde qui dans la rue sans masque. OK, 95% de monde sans masque. Donc ministère santé publique voulait lancer un appel jodi à nouveau comme il toujours fait depuis 9 mois depuis 19 mars mais avant 19 mars parce que ministère santé publique depuis là il était déclaré cas en Chine depuis en janvier ministère santé publique a sensibilisé population hein, sur maladie au coronavirus donc nous voulons encore lancer l'autre appel by population hein, by tout le monde qui l'école. Bah, si moun ki l'école yo, nous connaît que salle de classe yo rempli, gen pile moun nan salle de classe, donc faut ti moun yo kembe mas yo. N'a mande population générale, parents ti moun yo, grand moun yo, tout moun aide nous la presse qui te font bon travail avec nous depuis janvier la presse a travaillé avec nous, n'a remandé la presse pour l'aider nous continuer sensibiliser population. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.